Aujourd'hui, Kensington Market. Je veux aller voir l'aquarium. Alors, dernière journée à Toronto. Je me trouve dans la ville de Brampton, où est-ce que dans le fond j'ai passé le week-end, où est-ce que j'ai pu dormir. C'est une petite place, un peu, genre, en fait. Ça ressemble vraiment à des petits quartiers de Montréal. Super cool. On va aller visiter quelques parcs, quelques petites choses à visiter dans la petite ville. Puis après ça, ben, head up for downtown Toronto. Puis on rentre à Montréal. Next stop, Steeles Avenue East and Kennedy Road South. Petite découverte au greenhouse. Tout hard vegan. Yummy. Donc, je suis gare de train de Toronto. Mon séjour ici est terminé pour le moment. Dans 2 semaines, le 15 juillet, en fait, je dois revenir à Toronto pour me chercher comme Judge Kit. Donc, oui, je vais revenir. Je vais essayer de passer un petit 2 jours encore, essayer de faire d'autres activités. Essayer cette fois-ci de ne pas avoir peur d'aller dans le tour du ciel. Maintenant, ça va juste vraiment trop impressionner. C'est un petit peu trop haut, puis ça va trop haut de la chaîne. Mais sinon, je vais y aller la prochaine fois. Donc, c'est à peu près ça. J'ai très hâte de revenir ici. Puis, soit du fun. Là, je m'en vais à Montréal, je vais dans la journée. Ça va jouer à Paris. Comme ça, on va passer la nuit à Montréal. Prochaine musique. On se retrouve dans le train. Ok, so, je suis rendu à la gare, je suis en route pour aller au train. J'ai pas trouvé la plateforme 9 et 3 quarts, je trouve ça un peu dommage. J'aurais aimé ça pouvoir aller à Poudlard. Bon, peut-être une autre fois. Ah, ça. Alors, on rentre. Comme ça dans le train. C'est quand même cool, j'ai hâte. J'ai mis mon bagage là. Donc je suis sort 17C. Alors, il faut que je trouve mon banc. Qui se trouve être le banc 17C. Thanks. Alors.
Really? Technically, I need to be there. What's your number? It's 17C. 17C. Alors, enfin dans le train, direction Montréal. Je vais rejoindre Ganjamik, Dr. Weed. Ça va passer la soirée à Montréal. Alors, on se retrouve là-bas. Donc je suis arrivé à la gare centrale de Montréal. Le trajet en train s'est très bien effectué. J'étais assis à côté d'une belle famille, on a bien jasé, on s'est amusé, c'était drôle. Il y avait un petit bébé d'environ 2 ans et demi, on a ri tout le long du trajet en fait. C'était super cool. Donc là présentement j'attends Ganjamik avec Dr. Weed qui sont supposés venir me chercher. Donc on va voir quand ils vont arriver. Ils sont supposés être là d'une minute à l'autre. Donc c'est ça. On se retrouve, on rouvre la vidéo quand ils sont là en fait. Hein. Bon. Finalement, j'ai retrouvé mes deux acolytes, Ganjamik et Dr. Weed, qui sont en train de regarder. Il se passe de l'action, il y a de l'action ici. Vous devriez avoir peur. En Ganjamik. Yo, what's up? Oui! Donc, on est prêt à sortir. Regardez la vue derrière. Alors, avec 3$, on va voir tout ce qu'on peut faire dans Montréal. Non, c'est pas vrai, genre. Alors, on s'en va voir tout ce qu'on peut faire. Et puis, une petite puff de vapeur pour commencer. C'est ça, vidéo, ça, ou ben c'est... Ouais! Right, so... we are not drunk. Not at all. Like, Dr. Weed, are you drunk? I'm not drunk at all. Are you drunk? Not at all. Okay, so... Let's go. We are not drunk. And we're not eating out. Not drunk! We're not going to the strip club. No, no. We don't do that kind of shit, right? We don't do that kind of shit. We don't do that, Mike, right? It's not a cool night tonight. You see? Dr. Weed. Hi. Hey man, that's gonna be an awesome picture. Wait. Yeah, take a picture. Wait. Okay, Twitch. Now I'm drunk. Now the compas is in dance. Délicieux. Vraiment bon. Ganjamik et Dr. Weed. Ouais. C'était un bon trip à Montréal. C'était le fun à Toronto. J'ai déjà hâte à
de retourner à Toronto pour aller chercher mon judge kit. Je vais probablement en profiter en même temps pour continuer de visiter cette magnifique ville, parce qu'honnêtement, un week-end c'est pas assez pour tout voir là-bas. La ville que je passe un an. Non, c'est pas vrai, mais... Bon. Quand on sait plus quoi dire, c'est que c'est le moment d'arrêter. Alors, Grand Jamik? Yeah. Dr. Weed? Yes, sir. Alors, désolé pour la caméra. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, on se retrouve très bientôt. On se retrouve pour mon prochain trip à Toronto dans environ 2 semaines. Donc, je vous dis peace. 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 À la revoyure. Peace.